Bonjour tout le monde, est-ce que vous vous rappelez des Tamagotchi? C'était des jouets dans les années 90, des jouets électroniques. En fait, c'était un animal de compagnie virtuel. Et prendre soin de cet animal, le nourrir, le jouer avec, etc. Il pouvait mourir, malheureusement. Et bien là, on est dans un jeu vidéo PlayStation VR qui est tout à fait dans ce style-là. C'est vraiment comme Tamagotchi. Ça s'appelle Conrad the Kitten, donc le chaton qui est ici présent, que j'ai déjà habillé d'une petite casquette et une paire de lunettes vertes. Conrad, c'est aussi le nom du lead game designer du jeu. Et je voudrais lui faire un petit coucou et lui passer ce message. Miaou! Contrairement au Tamagotchi, le petit chaton ne peut pas mourir, heureusement. Il peut être fatigué et triste parce que vous ne revenez pas le voir régulièrement, mais il ne pourra pas mourir. Alors pour commencer, déjà, ce jeu nous propose de jouer assis au sol sur un coussin et de calibrer la hauteur du sol. Donc il faut diriger la caméra du PlayStation VR vers le bas. Il vous explique tout ça avec le nombre de degrés, etc. Après, je vais calibrer la hauteur du sol en posant tout simplement le PlayStation Move au sol. Voilà. Tac. Et il a recalibré le sol à la bonne hauteur, ce qui fait que là, je touche mon sol en fait et j'ai l'impression de toucher le sol virtuel. Donc moi j'ai déjà joué une journée, j'ai fait une journée avec mon petit chat que j'ai ici en main en fait, c'est comme si je le portais à bout de bras en fait avec le PlayStation Move, et ensuite je peux lui faire faire des activités dans la maison. Ce qu'on voit en fait c'est qu'on a, alors je peux pas vous montrer directement parce que j'ai pas de pointeur sur l'écran, mais en gros les trois cœurs c'est ce qu'il veut faire, il veut que je le caresse à la verticale, que je lui donne à manger et qu'il joue avec le rouleau de PQ. En dessous, c'est la barre d'énergie qui va décroître en fait à chaque activité. Une fois que la barre d'énergie est finie, le chat est fatigué et il veut se reposer et il faut revenir le lendemain pour jouer encore avec lui. Donc en gros, ça demande approximativement 20 minutes de votre temps chaque jour pour vous occuper de ce mignon petit chaton pour lequel vous pouvez débloquer tout un tas de matériel de personnalisation. Avant de vous montrer cette deuxième journée avec le petit chaton, on va faire un petit retour arrière. Vous allez voir ma première journée en compagnie de ce chaton et ma découverte de cette maison. Et on se retrouve tout à l'heure. Alors. Donc là, on est dans la cuisine. Alors, je pose le chat. Ah, voilà, ça y est. Ça y est, il mange des croquettes déjà. Les chats, ça fait que ça. De toute façon, ça fait manger, pisser et chier. Jouer avec les téléphones portables? Non. C'est trop mignon. Il a pas terminé, on va attendre. Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a un oiseau. Il y a un perroquet là-bas derrière. Le téléphone, tu veux jouer avec le téléphone? Ah oui, il y a un jeu pour lui. Donc là, apparemment, les cœurs, c'est de l'XP. Il y a marqué XP dessus, ça se voit pas trop bien. Quand on appuie sur la gâchette, ça le ramasse, en fait. Alors, je vais le mettre dans la... Ah, on peut pas le gratter. Il y a des mini-jeux avec une roue de la fortune. Là, on tire une roue de la fortune et on peut avoir accès à des mini-jeux. On peut gagner des pièces ou des cœurs directement en jeu. Et les pièces à patounes, comme il dirait le joueur du grenier, peuvent être dépensées dans la salle, dans le dressing, pour avoir de nouveaux accessoires pour Conrad. Le niveau actuel, l'expérience et les pièces à patounes collectées sont montrées autour de son cou. Ah oui, d'accord, je vois le niveau 5, parce qu'il y a de l'expérience et on peut faire leveler notre chaton. Il ronronne dès que je le bouge. Donc en fait, ce qu'on voit ici, ce sont ses besoins. En faisant toutes ces actions, ça augmente en fait l'XP et l'amour de Conrad pour vous. On va aller ici cette fois. Alors, au fur et à mesure, on va débloquer des zones différentes. Oh, il y a un nounours. Ça fait vraiment un jeu pour enfants. On a l'impression que c'est un jeu pour enfants. Mais je pense que des adultes vont bien aimer aussi. Moi, je trouve ça vraiment super mignon et rigolo de s'occuper d'un petit chat. C'est une boutique pour acheter des éléments. Donc avec les pièces à patounes, mais j'en ai zéro. Ah ouais, carrément, on peut avoir un chat d'une autre couleur, un chat noir. Des lunettes. Un ours fait Conrad the Virtual Cat. Ça, c'était le nom d'origine du jeu, The Virtual Cat, avant qu'il décide de l'appeler Conrad comme
le lead game designer du jeu. Donc là, j'ai la roue de la fortune qui est arrivée et j'ai eu deux cœurs. Oh, il y a un truc qui s'est ouvert. Oh, il y a une souris. Il y a des petits trucs qui se passent autour de nous en fait. Duck Crunch. Le crunch des canards. Il est trop mignon. Mieux petit minou. Alors vous savez, il y a des gens qui se moquent des autres personnes qui parlent à leurs animaux. Alors imaginez là, des personnes qui parlent à leurs animaux virtuels, de réalité virtuelle. Moi je parle à mon chien. Moi je parle à mon chien parce qu'elle comprend certaines choses. Donc du coup je suis obligé de lui parler parce que je sais qu'elle comprend. Il y a des mots qu'elle reconnaît. Genre elle sait quand est-ce qu'on va sortir, quand est-ce qu'on va jouer avec la balle, etc. Donc on va débloquer des nouvelles zones, on va débloquer du matériel pour le chat, des équipements, des accessoires pour l'habiller. J'adore les chats aussi. J'ai mes parents, il y en a plusieurs des chats. Ah voilà, j'ai une nouvelle zone, j'ai la salle de bain. Donc il faut que je le lave. C'est le logo qui était en haut. Il y a du PQ là, il va sûrement jouer avec tout à l'heure. Je crois pas que les chats ils aiment l'eau comme ça. Hein. Les mettre dans un bac d'eau, à mon avis, ils aiment pas ça. Hein. Tiens, tu veux jouer avec le rouleau de PQ? Ah, il y a le perroquet. Trop bon. Et si vous avez des enfants, alors je sais que c'est déconseillé au moins de 12 ans, mais franchement, faites-les jouer à ça. Ah, une petite souris. C'est un mini-jeu. Donc en fait, il faut que je tienne le chat comme ça. Et on fait start. Et que j'attrape les souris. Oh, les pauvres souris. Je tue les souris. Il faut pas toucher le... Oh, elle va vite, elle. C'est une souris blanche. Tiens. Hop. Ah, elle va vite, celle-là. Ah. C'est pour ça qu'il faut se mettre au sol, en fait. Non, non, non. Là. Oh, elle va vite. Ah, ah. Elle va trop vite. Ah. Ah, la pauvre, elle s'est fait éclater par la tapette. Oh, la pauvre. Allez, c'est fini. Bravo, mon gars. T'as tué plein de souris aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut lui acheter? Une petite casquette? En plus il bouge comme ça. Là, ça lui... Là il est amoureux de moi là, ça y est. Là il m'adore, il me kiffe. Tu me kiffes hein. Voilà, il est fatigué. Revenez demain. Allez, on se retrouve à la deuxième journée maintenant avec mon petit chaton, regardez, qui est trop mignon. Là-bas, on peut aller à la plage, apparemment. Pour l'instant, je ne peux pas y aller. Il n'y a pas que la maison, hein. Il y a plusieurs endroits, en fait, à découvrir au fur et à mesure. Ah, 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 oui. Qu'est-ce que c'est? Il y a la petite souris, j'entends. Le parcours des anneaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le chaton était retourné pour le jeu. Fais-le passer à travers les anneaux sans les toucher. Oh, putain. Ah, faut faire ça. Olé. Ouais. Oh là là! Ah putain, je peux pas aller derrière, moi je peux pas me... Ah merde! Je suis... Vas-y, faut que j'enlève le PlayStation Move. Ah voilà. Faut aller vite. Oh, y'a plein d'obstacles. Oh putain, c'est compliqué là. Ça va, ils ont pas trop mis derrière nous en fait. Oh allez, on peut lui faire des vrilles et tout comme ça, hein, on peut s'amuser. Merde! Faut partir en arrière. Le perroquet qui me regarde. Et si vous avez des enfants, ils vont s'éclater à ça. C'est rigolo en fait. C'est original. Allez, c'est bon, on va y arriver mon chat, allez vas-y. Allez Conrad, t'es meilleur, allez. En fait, si j'étais pas assis comme ça devant le fond vert, je pourrais très bien jouer un peu allongé, me mettre comme ça, et en fait, le regarder de beaucoup plus près, regardez. Parce que vu que je suis vu par la caméra, je peux me mettre quasiment au sol. Oh, j'ai un joli salon avec des vinyles au mur, une guitare électrique. Il y a un bocal de poisson avec Nemo et Dory dedans. Donc il y a le jeu, voilà, c'est ça. C'est pour qu'il fasse ses griffes. Donc on va débloquer encore d'autres activités ici dans le salon. Il y a une console de jeux vidéo là, qui ressemble à aucune qui existe. Et on voit un jeu, ça a l'air d'être un genre de Bomberman, je sais pas quoi là, la cartouche. Ah, je peux acheter des nouveaux coloris de chat. Bah tiens, on va prendre le tout blanc. Et voilà, j'ai un chat tout blanc maintenant. On va lui mettre un petit chapeau de Heisenberg. Et les lunettes de soleil là, c'est pas mal aussi, non? Ah, j'ai plus assez! Il me dit non!
Tu veux pas me faire un crédit, s'il te plaît, le nounours? Un crédit de 2 pièces. Juste 2 pièces, s'il te plaît, pour la vidéo. Alors, dans ce jeu, il y a un autre mode, c'est le mode peluche, ici. Mais en fait, ça demande d'attacher les PlayStation Move à une peluche, et c'est ce que je vais essayer tout de suite. Mode peluche, attache la manette à l'animal en peluche, comme cela est montré dans la vidéo. Ah, c'est pas mal comme idée là. Donc voilà, il faut attacher de cette façon, en fait. Vous voyez, avec le PlayStation Move sur le dos du chat. J'ai mis comme je pouvais, en fait, j'ai attaché comme je pouvais ici le PlayStation Move sur le dos de la peluche. Bon voilà, c'est un petit mode bonus, mais il faut bien attacher le PlayStation Move derrière. Moi, je l'ai attaché un peu à l'arrache avec un élastique super fin. Donc en fait, vous allez jouer au même jeu, mais en mode peluche, c'est-à-dire que vous allez carrément physiquement poser la peluche à un endroit. J'ai la télécommande. Il peut jouer avec la télécommande. Ouais, il a allumé la télé. Evil Sharks. Donc rappelez-vous, c'est un jeu qui sort le 23 février 2018. Il sera disponible en France. J'ai pas encore le tarif. Moi, je trouve que c'est vraiment un jeu très très bien, très très coloré, très mignon. Si vous aimez les animaux, si vous aimez les chats, franchement, c'est une expérience originale et unique. Et il y a de l'expérience, vous voyez, je suis niveau 12, mon chaton est niveau 12. Plus j'ai d'expérience, plus je débloque des activités. Mais écoutez, moi, je félicite les développeurs parce qu'ils ont fait un truc original, vraiment sympathique. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose qui va surtout plaire à des enfants, même si le PlayStation VR est déconseillé aux moins de 12 ans. Vous pouvez quand même faire jouer vos enfants de moins de 12 ans, mais je vous conseille, moi, de faire un compte spécial sur votre PlayStation 4 avec les paramètres de leur propre écart interpupillaire, parce que c'est surtout ça qui est problématique chez les jeunes enfants. Leur visage est plus petit que le nôtre, et si vous leur mettez le casque avec votre paramétrage de l'écart interpupillaire, ils vont obligatoirement loucher pour voir l'effet 3D dans le jeu. Et s'ils louchent en permanence pour voir l'effet 3D, ça peut avoir des répercussions sur leur vision. Mais je pense que les adultes peuvent aussi trouver ça très mignon. Hommes comme femmes, je pense qu'on peut aimer ce genre de choses. Moi, j'adore les chats. Je vais pas retourner tous les jours pour m'occuper du petit chaton, mais peut-être que de temps en temps, j'irai voir comment il va. Et bien sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé jusque-là. Et si on ne se revoit pas d'ici là, je vous souhaite une bonne journée et une excellente nuit. Ciao les amis.